Yo, bande de Roger, ici le Matt. Et on se retrouve comme promis sur du multi sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Alors, à savoir que va falloir être compréhensif, étant donné que je n'ai pas encore pu vraiment le tester. Donc là, on est surtout en défense, un mode de jeu que j'ai pas encore pu tester non plus. Vous voyez qu'on a la proposition de barricader, ce qu'on va faire incessamment sous peu. Voilà, tac, on reste appuyé sur F. Et on ferme. Parce que c'est vilain. On peut pas laisser ouvert les choses. Donc là, j'ai aussi la cap. Je peux donc poser. Donc je sais pas d'où ils peuvent arriver, honnêtement. Donc là, vous voyez qu'il y a les petits trucs pour les robots. Se cacher derrière les caisses. Je sais pas si. Non, ça se pète pas. Ah, ça je peux. Ok, donc ça par exemple. To left. Ok, donc ça je peux le renforcer. C'est déjà un mur, mais. On peut se cacher derrière. Donc là, ils ont essayé de passer. Je sais pas. On va camper un peu ici. Je sais pas comment ça se joue honnêtement. What? Oh bah alors là j'étais concentré mais. Ah j'ai pas. Ah mais putain il avait un bouclier! Oh bah. Oh non mais par contre ça veut rien dire comme il m'a tué. Hein. Putain il m'a mis des coups de l'improbabilité. Hein. Bon. Putain je suis très déçu! Oh mais putain mais le mec le bouclier je l'ai même pas vu! Il était tellement de même avec lui, j'ai vu le laser, je dis c'est bon il est mort quoi. Bon bah mea culpa. Hein. Hop, donc là, on voit les tarbinous. Je vais peut-être vous faire une coupure jusqu'à la manche prochaine parce que pour vous, ça va pas être génial, génial. Allez, on se retrouve. Bon, voilà, à notre non grande surprise, nous avons perdu. Alors, lui, il était perdu. Hein. On ne sait pas comment il a tué. Non, mais les mecs, je vous ai dit, ils sont beaucoup trop chauds. Hein. Je sais pas comment les appréhender parce que j'aime bien. Là, j'avoue qu'il faut, il faut vraiment tempo. Bon bah là, je suis mort en premier hein, normalement. Ah non. Ah je suis pas même. Je suis pas le premier. Donc là bon bah c'est fini du coup. Oui bah zéro je veux bien avec le score que j'ai fait. Donc là j'aimerais bien rejouer directement si possible. Ça m'éviterait d'avoir d'autres temps de chargement. Ah putain, fait chier. Bon bah ce sera du temps de chargement. Je vous reprends quand c'est bon. Ok, je crois qu'on est de retour. On va essayer de penser à une espèce de stratégie vite fait. Donc, on va essayer déjà de barricader le plus possible. Parce que mine de rien, ils pètent un truc. On arrive à les positionner. À moins qu'ils arrivent à faire des leurres, mais. Ah oui, non, mais là, on est en attaque. Ok. D'accord. Donc, je vais prendre le Sledger là. Très bien. On y va à ça. Parce que de toute façon, ils jouent que à distance. Ils jouent pas à fusil à pompe, j'ai l'impression. Puis on peut pas courir très vite, donc surtout avec ce personnage, donc ça sert à rien de prendre fusil à pompe si on n'est pas bien préparé. Alors rush peut être une solution, hein, mais il faut savoir très bien tirer et pas faire de bruit. Je sais pas comment on fait. Non, honnêtement, ça peut le faire. Après, je sais pas, Là, je me suis fait surprendre à cause du bouclier parce que honnêtement, je pensais que je l'avais mis une tête. Je me suis dit, c'est bon, je me rabats. Et le fait qu'il me tue, ça m'a vraiment tué pour le coup. Ça m'a tué quoi, parce que le mec me tue à travers la voiture. Je pensais pas que ça passerait en fait. Ah bon, bah là, attendez, on peut pas jouer. Ah non, là on a une petite voiture. Oui, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Hop, tac. Donc avec ça, on peut faire de la reconnaissance pendant que les ennemis sont en train de poser les barricades et tout. Donc on peut aller les faire chier. Hop, donc là par exemple ils ont trouvé une bombe. Hop, là par exemple on croise des ennemis, c'est pas grave. Ils nous tirent dessus, c'est pas grave. Je suis caché. Voilà.
Donc ça, je trouve ça assez rigolo comme, comme système. J'avais déjà fait une fois, sans grand succès, bien évidemment. Donc je pense que je vais suivre mes poteaux, parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ici, c'est bien trop la merde. Enfin, on pourrait se mettre là juste pour... Non, c'est bien trop la merde, que dis-je. Ah bah, ils ont tué un mec. En headshot, si j'ai bien suivi les cryptos. Ok. Bon, on les arrête un petit peu, là. Enfin, c'est pas moi qui les arrête, hein. Mais par contre, je vais peut-être me jeter dans la gueule du loup, si... Mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, mais la rapidité... Non, je veux voir la kill cam. Oh putain, mais la rapidité de ce mec, quoi. Casse-couille. Le mec s'est retourné, il m'a mis une tête, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Ils sont beaucoup trop chauds, hein. Change-moi cette caméra de mort, là, elle est dégueulasse. D'accord. C'est que ça, ça on peut pas bouger. D'accord. Ok, j'ai compris. Putain, ils sont beaucoup trop chauds, hein. Ah donc mec, oui on peut quand même les aider en scannant l'ennemi s'il passe devant là. Bon même si cette caméra elle a l'air... Ok allez, scanne-le. Y'a un mec ici. Tuez-moi cette sale race. Tuez-moi cette sale race. Oh, on a gagné à cause de moi. Ouais. J'ai bien fait de mourir ici. Alors attends. Putain mais en fait le bouclier quand tu veux le gérer c'est le cheater. Hein. Ouais, assistance. Putain. Non. Je sais pas qui c'est, lui, laisse-le tranquille. Allez, on défend. Limite, j'ai envie de rush en haut. Les attendre sur le toit, quoi. Ça, ce serait mon petit kiff. Ah, d'accord, j'allais prendre ça, mais pas du tout. Bon, ok. On n'a rien vu. Alors, ça, mid-range submachine gun with moderate recoil, knife. Non, ça, ça me dit rien. En plus, c'est très moche, comme arme. À la limite, je préfère ça. Ça sert à rien d'avoir 2 PM, des barbelés et des trucs de nitro, c'est très bien. Ouais, ils ont quand même l'air vachement de... En fait, c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est que les attaquants ou les enfin, ceux qui défendent... Je sais pas, ils paraissent vachement... Là, honnêtement, on va faire la strat. Hop, tac, 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 tac. Personne ne m'a vu en principe. Les alliés vont se demander ce que je fais. Moi aussi. Il faut être honnête. Au moins, s'ils pètent ici, je sais où ils sont. Hein. Tac. Chut. Chut. Pas faire de bruit. Chut. 10 secondes left. Op4 located a bomb. Protect it. Fuck. Down to 5 seconds. Fuck. Fuck. Ah, je suis rodé. Putain, mais c'est un peu tôt ça. Ah ouais, on a les couteaux en mode balèque. Oh fuck. Non. Non! You have been spotted by hostiles. Fall back. Fuck! Putain, j'ai fait encore n'importe quoi! Ah, ce jeu me saoule! Regardez, il avait plus de vie! J'ai plein. Il a même pas tiré sur moi! Non! Bon, là, je vais juste vous montrer parce qu'ils ont réussi à mettre le diffuseur. Hein. Donc là, notre valeureux allié doit aller la diffuser malgré il a niqué le bras de la caméra. Ouais, j'ai appris. Bon, on a perdu, hein, c'est pas grave. Donc j'ai quand même bien appris à me servir des caméras, hein. Je vois maintenant vraiment l'utilité que ça a, quoi. Donc je vais peut-être pas rusher la prochaine fois, mais le problème c'est que si je rush pas, je suis pas à l'aise, moi, en fait. J'ai besoin d'adrénaline un peu. Mec, le pire c'est que je le touche, quoi. Il est quasi mort. J'ai fait une assist. Ouais, j'ai fait une assist. Ouais, c'est pas passé. Donc là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va prendre Sludge. Très bien. Et on va faire en sorte qu'on suive vraiment un poteau.
de très près et on va finir ses, on va l'aider à, enfin finir ses kills. J'allais dire ça de instinctivement. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire en sorte que tous les deux on reste vivants quoi. Parce que sinon là, bon alors là, hop, fais la course. Va là-bas. Tac 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 tac, petit saut, hop, job cooldown, bas les couilles, on arrive là, hop, tac tac, regardez, hein, regarde. T'es nul. Mais. Ils sont où? Coco, bonjour! Bonjour, regardez, on va lui sauter dessus. Bonjour! Regardez, il me voit pas. Y'a un mec en haut du coup. Oui! Bonjour! Regardez! Oui! Ah, il me fait craquer. Alors, du coup, on va vérifier en haut. On va passer par en haut, on va lui régler sa tête. Mais limite, bon, vu que pour l'instant, pour moi, c'est difficile de. You've been spotted. Alors là. On sait pas comment, mais j'ai été spot. Il doit y avoir un. Il doit y avoir un mec là-dedans. Oh fuck! Bon, s'il y a quelqu'un derrière. Ah, d'accord. On m'a engagé comme franc-maçon. Je n'étais plus maçon que franc, mais. On va rejoindre un poteau, comme je disais. Ouais, j'ai fait un peu ma. Un peu mon libertin là. 3v3. 3v2. Mais comment je sais que c'est un ennemi? Putain, je reconnais pas les ennemis! Attends, c'était bien un ennemi. Attends, c'était pas un ennemi? C'était un poteau. Mais. Mais. À un moment donné. Ah putain. À un moment donné, si, dans le plus calme des calmes, je me fais tuer par les ennemis, je dis, bon, pourquoi pas, ce sont des ennemis, ils me tirent dessus. Mais, si les alliés me tuent aussi, ça ne va pas aller. Et on va sûrement gamer le. Ok, on a désamorcé. Regardez son pied. J'ai pas vraiment comment on a réussi à gagner en fait, mais. Bon allez, on finit ça. Elle sera peut-être moins longue. Non, faut que je regarde exactement combien on a tourné. S'il faut en refaire une ou pas. Putain, mais ça aurait été n'importe quoi, hein. Mais n'importe quoi. Donc là, on défend. Je n'aime pas la défense, en fait. Putain, vous vous rendez compte que j'ai pas réussi à tirer sur une personne en duel normal depuis le début? Soit je me suis fait prendre de surprise, soit le mec, je suis arrivé dans son dos, donc c'était pas très. Pas très génial. Donc là, il y a la bombe, ok. Ah oui, barricader de l'intérieur, par contre, c'était peut-être pas la meilleure idée. On va vite sortir. Là, je suis niqué déjà. Là. Ah non, c'est bon. Okay. Ici, ça reste très dangereux. Hop, on barricade ici. Tac, 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 tac. Et si on voit une petite merde passer là, des petites merdes, on les défonce. Parce que nous, on n'a pas de. On n'a pas vraiment de scrupules, j'ai envie de dire. Non, on n'enlève pas là. You've been spit. Mais va te faire foutre, saloperie! 10 secondes, ok, ça me laisse le temps de faire encore un truc ici. J'ai vu une des merdes là encore. Ah là, c'est chaud. Ah, c'est encore plus chaud, on va barricader ici. Là, il devrait arriver normalement. Là, c'est trop le sbeul pour moi en fait. À tirer ici.
Et puis si je suis tout seul, j'ai pas une grande cover. On va se mettre ici. Mais qui attire ici? C'est le décor. Ok, moi je suis à l'ouest. Donc, ah oui, je vous ai pas montré si on peut se pencher aussi de cette façon. Que je voyais quelqu'un à droite. Putain, mais n'importe quoi, on se fait tuer. Attends, on va vite descendre. Je suis baisé là, non? Baiser là, je sais même plus où je suis. Et je tire sur les morts, donc là on aura tout fait. S'ils sont manifestement pas bien passés. Putain, mais. Mais faut arrêter de se foutre de ma gueule! Mais faut arrêter de se foutre de ma gueule! Mais montre-moi ma killcam, pas la sienne! Mais what the fuck? What the putain de fuck? Mais c'est pas possible! Ah non, mais je vous jure que je comprends pas, hein! Oh là là! Oh merde! Je vous jure que je capte pas! J'arrive, ok, j'arrive fufu, le mec est de dos. Je devrais le one shot quasiment avec la balle que je lui ai mis. Alors soit j'arrive pas bien à viser avec ses armes. Il y a quoi? Il y a un round de... Ouais, c'est le match point. Une balle de match. Putain, je me suis dit, c'est bon quoi, je l'ai enterré le game là, il est plus possible. C'est... Non, c'est balèque. On attaque du coup là. Non mais, je sais même plus comment jouer. Les mecs, ils ont des réflexes de folie, ils tournent, ils tirent, quoi. Enfin, limite, j'ai même pas l'impression qu'ils visent, quoi. C'est un truc de fou. Alors, je suis conscient que je dois pas être très bon, hein, parce que honnêtement... Bon, peut-être au niveau du placement, là, j'avais fait un truc qui était pas complètement con, c'est d'arriver dans leur dos. Après, je vois pas comment l'autre a pu se placer ici pour les rater. Hop, on fait la course, les mecs, c'est tout. Marche arrière, moi, je suis un dingue. Aïe, 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 j'ai rien dit. Hop, petit saut, hop, je suis une sauterelle dans une autre vie en fait. Personne ne le savait. Tu le savais toi? Non, et alors, bon. Ok, tac, 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 bonjour, bonjour. Hop, 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 tac, tac, petit tableau, entrée à droite. Il prend l'intérieur. Oula, bonjour. On va suivre lui, il va nous mener à la bombe. Je suis sûr qu'avec un peu de perski... Tu m'as pas vu? Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Hop. Je suis un démon. Je suis un démon. Ah, d'accord. Oh, c'est moi qui ai le diffuseur, putain. Je suis quelqu'un d'un... Je suis quelqu'un d'intéressant... D'intéressant... D'important. Ok, on va suivre lui, on va suivre. Regardez. Retenez bien son nom. Carbone... Attends, tu bouges trop. Carbone nanorobe. Ok, très bien. Oh, très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oh fuck! Ah d'accord. Du sucre. Hop, ça c'est cadeau. D'accord, je pensais que ça allait péter un bout de mur, mais pas du tout. Oh putain. Je vois rien en fait. Canette sonnée, ouais, je suis au courant. Putain, j'ai cru avoir vu un mec là-haut. Quoi? T'es pas sérieux? Non, mais là, je sais même plus comment on passe, hein. Bon, on va rejoindre l'autre là. Quoi, vieux? Tu m'expliques la strat?
Eh vieux, me laisse pas tout seul, vieux. Ok, c'est ça la strat. Ok, j'ai compris la strat. Vas-y, avance, c'est la strat, c'est la strat. C'est la strat, c'est la strat. Mais beaucoup trop de strat ici. On a été spot, faut pas qu'on reste là. What the fuck? Mais il a fait. Regardez, regardez bien ce qu'il a fait, hein, parce que je crois qu'il a tué les deux. Non mais c'est pas possible. Soit j'ai, je sais pas, j'ai pas de ping pourtant. Bon, bah je suis définitivement mauvais à ce jeu. Je ne sais pas. Non, ça va, c'est un grand putain de point d'interrogation. Non, bon, c'est moi qui ai le plus de ping, quasiment. Non. Non, c'est mauvaise langue, il y a quelqu'un qui a le plus. Alors, je dois être très mauvais à ce jeu, il doit pas me convenir, je sais pas. Pourtant, je le trouve assez amusant, mais peut-être trop renfermé, c'est pas mon style de jeu, c'est vrai. Je suis pas très. J'aime bien le combat rapproché, mais pas autant là. Donc, en tout cas, je sais pas si cette vidéo est assez longue. Ça vous donnera un a priori de mon non-skill. Si je puis dire, mais au moins ça vous donne un a priori du type de gameplay des gens, du type de gameplay que les noobs peuvent avoir, et peut-être que ça vous donnera envie de l'acheter, j'en sais rien. Moi pour ma part, mon avis il est donné, ce sera sûrement non, parce que j'aurai pas le temps d'y jouer honnêtement, et que comme je disais, je préfère m'amuser sur CSGO, c'est un peu plus détente quand même. Là, c'est vraiment, il y a vachement de tension, hein, c'est agréable comme gameplay, faut reconnaître que la tension y est, mais j'ai pas, c'est pas le jeu qui me touche. Donc voilà, on va en rester là. J'espère que vous aurez apprécié malgré mes boutades. Et que vous allez pouvoir m'en donner un avis dans les commentaires, ce serait sympa ça. Si vous avez liké, ce qui me semble un peu normal. Si vous voulez nous suivre, il y a le bouton abonné qui fait exprès. Et si vous voulez passer une bonne journée, bah vous pouvez aussi. Allez, bonne journée.